Chers amis, bonjour. Young Boys Lausanne Sport. Eh bien, c'est dimanche à 16h, 16h30. Un Lausanne Sport qui va essayer d'aller chercher 3 points, bien sûr, au Vangdorf. Ça va pas être chose facile contre le champion de puissance titre. On sait à quel point, justement, il est difficile d'aller battre IB. Et là, on aura vraiment quelque chose de dur à faire. Certes, l'équipe a l'air encore un peu légère, mais à espérer que le bon résultat face à l'OGC Nice, eh bien, soit un gage, on va dire, de réussite pour la suite, pour ce Lausanne Sport qui mérite. Donc, on verra bien. Je vous le disais tout de suite, l'équipe, je la trouve un peu faiblarde, je la trouve un peu, pas faiblarde, mais je la trouve un peu légère par rapport à ce qu'il faudrait pour affronter cette Super League. La victoire face à Nice, elle a été très belle, mais attention, les Niçois avaient repris depuis même pas 5 jours l'entraînement, tandis que nos Lausannois avaient quand même déjà des matchs dans les jambes, ce qui a pu quand même donner le change, même face à Dante, même face à Terem Moffi, qui est un des joueurs préférés de la Ligue 1. Mais bon, on a gagné ce match, on pouvait en être content, mais c'est vrai que je nous trouve un peu léger encore. Et que malheureusement, ben, je pensais que du côté du mercato, on allait recevoir encore mieux, parce que Ineos a les moyens de faire mieux. Mais là, clairement, ils ont décidé de faire service minimum. On fera avec. C'est comme ça. On fera avec. On ne peut pas vouloir plus. On n'est pas le Real Madrid. Ce qu'on a, c'est très bien. On a des Olivier Custodio qui est un super joueur. Ce mec-là, je le passerai dans une photocopieuse pour en faire 11 sur le terrain avec l'abnégation et le talent qu'il a. Donc, c'est pas pour manquer de respect aux autres. Mais en tout cas, voilà. Mais bon, on a une belle équipe quand même. Même si on a fini deuxième en Challenge League. Ça me dérange parce qu'on a une belle équipe, mais j'ai l'impression que le plein potentiel n'est pas encore exploité. Donc, on verra bien. Les gars auront faim. C'est clair qu'au Vangdorf, les gars auront faim. Mais attention, on va se retrouver face à une réalité, une équipe qui joue la Ligue des Champions, une équipe qui a un talent européen, ce qui est loin d'être notre cas, mais on a confiance aux gars, on va les soutenir, on va, quoi qu'il arrive, perdre ou gagner, on va les soutenir, on sera là toute cette saison. Personnellement, moi, ça sera mon cas, et je rêve quand même d'une victoire au Vangdorf, parce que eh bien, faut déjà jouer match avant, faut déjà jouer le match avant de parler. Donc, je rêve qu'on gagne face à IB dimanche et rien n'est impossible. Donc, rien n'est impossible. Seulement, ça dépendra d'eux. Faudra jeter les tripes sur le terrain. Faudra y aller à 300 à l'heure. Et je sais qu'on peut le faire aussi, qu'on est capable de faire ça. Mais en face, je le répète, c'est la classe européenne. Donc, on verra bien. En attendant, quoi qu'il arrive, allez Lausanne. Voilà les amis, abonnez-vous à la chaîne. Je vous retrouve pour le débrief du match, bien entendu. Ciao!